Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pokémon Go. Et je vais commencer cette petite vidéo Pokémon. Vous voyez, je suis tranquillement en train d'essayer de donner des cadeaux aux gens qu'on n'a pas ouvert. Et j'ai une petite question à vous poser dans le jeu. J'aimerais savoir si l'un d'entre vous, depuis qu'il y a eu l'événement Coquille Perle, si quelqu'un a vu le Coquille Perle dans la nature, parce que il était censé arriver dans la nature après l'event. Et j'avoue qu'autour de moi, je connais personne qui en a vu. Donc s'il y en a un qui... si quelqu'un a vu un Coquille Perle dans la nature, bah, n'hésitez pas à vous signaler et à me le dire après cet event. Allez, c'est parti pour la petite vidéo. Allez, on va se faire un petit échange de gros shiny avec Philo, ça change. Ça change de galade. C'est pour faire évoluer ou... Oh, oh. Non, mais... ah non, moi... je vais voir lequel je te donne, parce que j'en ai deux petits. Hein, t'en as deux en double? J'en ai un 558 et j'en ai un 292. Mais t'en as qu'un en double. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pour savoir lequel je te donne. Ah, tu me donnes celui que tu veux, parce que je l'ai pas du tout. Je te fais le 558. Allez. Comme ça, tu vas pouvoir l'évoluer, ce sera pas mauvais. Bah, j'attendrai d'en avoir un deuxième. C'est parti. Voilà, on va lui donner le petit légendaire au haut, parce qu'il l'a pas enchaîné. Et lui nous donne un petit Meditica. Qu'on n'a pas du tout, donc ça va faire du 40 000 chacun. Voilà. L'orange, tu vas voir. Ah, ben je le vois. Je l'avais encore jamais vu. Pourtant, j'en ai retourné des Meditica. Oh, c'est un truc de fou, ça. J'ai fait un Crustabri il n'y a pas longtemps. Là. Crustabri? Ah, ouais, bien joué. Bien joué. Il est bleu? Ouais. Non, il est pas marron. Non, mais en chenille, il est bleu. Il est bleu en chenille, Crustabri? Ah, il est orange en bleu. Et il est bleu en... Ah, notre premier Meditica. Donc ça, c'est cool. Il est monté à 618. Ouais, ça va être un bon en plus pour faire évoluer. Évaluer. C'est une merveille. Capital attaque. Moi, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Un bel échange. Allez, on va se faire quelques petites évolutions intéressantes. À commencer par ce dinoclier. Alors, il est pas bon, mais c'est pas grave. C'est notre premier. C'est parti. On va rentrer son évolution dans le Pokédex. Il est vraiment pas beau, lui. Hein. C'est vraiment très moche. Hein. Évolution de Dinoclier. C'est vraiment dégueulasse. Bastiodon, il est vraiment pas beau. En plus, il a pas l'air très utile. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Ah, on peut se faire le Cranidos aussi. Enfin. Enfin. Bah, c'est pareil, il est pas bon, mais c'est pas grave. On aura tout le temps après de s'en faire un meilleur. Qu'est-ce qu'il vient de pop là? Ah, il y a 12h. Ah, bah 12h. 12h19, ça va pas le faire les gars, désolé. Parce qu'on a un légendaire à 12h19. Et voilà, on rentre notre Charcos dans le Pokédex. Et ça c'est cool. Charcos dans le Pokédex, ça c'est bien cool. Je vous l'avais pas fait non plus en vidéo. Nous avons les petits Pikachu de printemps là avec les petites fleurs. Et ben, on va se faire notre petit Raichu parce qu'on l'a pas fait. Voilà, ça nous fait la petite collection de Raichu qui augmente. Alors, il fait beau aujourd'hui, mais il y a du vent. Il y a beaucoup de vent, hein. C'est ouf, mais c'est très bien pour les Rayquaza. Et voilà le petit Raichu. Et voilà, bon, c'est tout ce qu'on avait comme petites évolutions intéressantes. Ah non, c'est pas tout. C'est pas tout du tout. C'est pas tout du tout. Nous avons des évolis. Nous avons également des petits évolis à faire. On va voir ce qu'on obtient. Je crois que je ne sais plus ce que j'avais déjà avec la petite fleur. Peut-être un aquali. Donc si on peut avoir les autres, c'est magnifique. Hein. Bah non. Donc là, on a un aquali. Mais on n'aura pas assez, hein, parce que j'en ai vraiment pas vu beaucoup des évolis à petites fleurs, moi.
Ah ouais. Parce que moi j'en avais 4, 5 peut-être. D'accord, pas mal, bien joué. En copain. Ah, là on chope Pyroli. On va quand même regarder si on n'a pas Voltali en fait. Eh bah tiens, ce serait pas lui là. Ah bah ouais, donc on a les 3. Ah bah putain, j'ai de la chance hein. J'ai eu les 3. Bah du coup celui-là on se le mettra en copain. Pour avoir bah, soit Noctali, bah, de toute façon on ne pourra pas faire tous, donc on pourra faire que Noctali, ou il faudra qu'on choisisse. Voilà. Faudra qu'on... Bah Evoli pour faire Noctali. Ou l'autre que j'ai oublié le nom. Voilà. Nous avons un nouveau Spinda dans le Pokédex. Il s'agit du numéro 2. Donc il vous faut trouver la quête de faire 5 super lancers à la suite. Alors je sais plus si c'est 5 super lancers ou 5 super lancers à effet à la suite. Mais voilà, si vous voyez 5 super lancers à la suite, c'est le Spinda numéro 2. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, ils nous en ont rajouté 10 dessous. Donc on n'a pas fini les Spinda. On pensait qu'il n'en restait plus que 2, mais non. Ils en ont rajouté. Donc on va continuer à avoir tous les mois notre petit Spinda. Regardez ce qu'on a là. Un petit Shaglam. C'est vraiment très rare que j'en trouve. Alors j'étais en train de regarder un truc là. Le lancer, j'ai l'impression qu'il est très bizarre. Il est tout buggé. Regardez. J'ai l'impression qu'on peut pas... qu'on peut pas toucher le cercle. C'est super bizarre. C'est très déstabilisant. On a l'impression qu'on va le rater, c'est ouf. Bon bah on prend un petit Shaglam, c'est tellement rare. Bon, on est tombé sur un Apitrini, c'est le dernier qu'il me faut pour pouvoir faire l'évolution. Donc on n'a pas intérêt de se le rater. Non, on va pas prendre de risque. Oula. On va pas prendre de risque. Oula, j'ai raté le cercle. Quand même. Ok, bah c'est cool, on va pouvoir s'évoluer ça dans cette vidéo. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Bon, je suis trop lent. Ah, je suis trop lent. Non. Oh, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Pokémon. Recherche. Happy. Et on va se faire évoluer. Bah, le petit chanceux que j'avais. On va en profiter pour mettre le chanceux. Et ça rentre dans le Pokédex. Ah ouais, d'accord. Bah, je vais pouvoir l'enlever de mes amis. Enfin, de mes amis. De mes copains. Je l'avais mis en copain. Bah, j'en ai plus besoin. Voilà, on a même 5 bons becs. Et nous voilà avec la Pyrène chanceux. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, il est tout pourri. À 205 PC... On n'a pas... Il n'est pas très fort. Regardez sur quoi nous sommes tombés. Un petit Cranidos. Ça va me permettre de vous parler rapidement de l'event Equinox qui vient de commencer donc pour moi hier soir. Et en fait, il n'y a rien. C'est même pas la peine. Il n'y a absolument rien. Le seul shiny, bah, c'est Celeroc. Parce que maintenant, on a Celeroc. On n'a plus Solaroc. Et bah autant vous dire que c'est un Pokémon qu'on voit très très rarement. Donc ça va être complicado de l'avoir. Donc voilà, event sans grand intérêt. Voire sans intérêt du tout. Il y a beaucoup de tournegrins. Donc pour ceux qui l'avaient déjà en shiny, bah dommage quoi. Donc du coup, ouais, non, c'est pas très très intéressant comme event. C'est pas grave, on passera au suivant. Et nous allons terminer cette petite vidéo pour parler du Community Day Arco qui aura lieu demain. Alors ça sera de 15h à 18h. Attention, l'horaire change. Donc c'est en horaire local. Donc ça sera de 15h à 18h. C'est un petit peu plus clair pour tout le monde comme ça, plutôt que des UTC plus 3, on ne sait pas trop quoi. Donc demain, 15h-18h, vous aurez le petit Community Day Arco. Alors comme d'habitude, hein, les leurs fois... Les leurs vont durer 3 heures. Vous allez avoir du shiny normalement. Hein. Ils vont quand même pas nous faire un community des 100 shiny. Et les incubateurs iront 4 fois plus vite. Donc j'en profite
j'en profiterai, comme j'avais fait la dernière fois, pour passer mes amis en meilleurs amis. C'est-à-dire ceux qui ont quasiment 4 cœurs avec moi, avec qui il ne reste plus grand-chose. C'est vraiment pénible à faire cette liste-là d'amis. Là. Voilà, tous ceux-là, ils sont terminés. Qu'est-ce que ça rame, ce truc. Donc, sont concernés. On va y arriver. Allez. Ah, oh, cette liste d'amis, j'en peux plus. Comment elle est lente. Ah, voilà, nous y sommes. Nous avons Dada, 17 000. Nous avons Florent Pogo. Nous avons Kingdra, 63. Certainement aussi Miraculous du 59. The Ninja Yolo, il faudrait m'envoyer un cadeau d'ailleurs. Nous aurons très certainement Tipeee Zen, Jerem x 50, Milouf, je pense que Milouf, nous aurons terminé aussi. Ouais, ça va être juste, si on rate pas de jour, ça sera bon. Mister Jax J, le 2 aussi. Voilà, si on ne le rate pas de jour, mais c'est mal barré parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de cadeau. Nymphéadis, je sais pas, on va voir ça tout de suite. Nymphéadis aussi. Donc ça fait pas mal de monde. Peut-être Piu du 91. À voir. Qu'est-ce que c'est en cette liste? Ouais, ça peut passer aussi avec Piu du 91. Farlow, voilà. Non, Farlow, voilà, ça passera pas. Donc voilà, tout cela. On va passer meilleur ami. Et ce que je vous propose, c'est de valider le dernier jour, donc pendant le Community Day, samedi, à 16h. Donc si vous voulez mettre un 9, samedi à 16h, eh ben, j'ouvrirai votre cadeau pour avoir les 100 000 points. Donc les 200 000 points. Les 200 000 points si vous avez mis un 9. Donc n'hésitez pas à venir me voir sur Discord si vous ne pouvez pas être disponible samedi à 16h pour l'ouverture du cadeau. Il n'y a pas de problème, on se fera un autre créneau, il n'y a pas de souci avec ça. Donc je répète, samedi à 16h, j'ouvrirai vos cadeaux pour passer meilleur ami. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous me lâchez un gros pouce bleu, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et on se dit à lundi pour la nouvelle vidéo sur le Community Day Arco. Salut tout le monde.